Bonjour et bienvenue dans ce MOOC consacré à la géopolitique de la Chine. Alors pourquoi s'intéresser à la Chine contemporaine? Dans bien des domaines, la Chine est déjà la première puissance économique du monde. Son développement, mais aussi ses difficultés, en un mot son évolution, engagent notre propre avenir. Le marché chinois transforme les circuits commerciaux et industriels, bouleverse les savoirs et les pratiques du monde. Il est donc important, sinon urgent, de connaître l'histoire de cet État-continent, la nature de son régime et de ses choix en matière de politique étrangère. L'ampleur de sa démographie, 1,4 milliard d'habitants, l'immensité de son territoire, 19 fois la France, et sa gouvernance autoritaire sont les clés pour comprendre la Chine et ses projets hors normes. La Chine a donc tout lieu de nous fasciner comme elle ne cesse de nous inquiéter. Comment cette puissance à la fois prédatrice et dévoreuse d'énergie peut-elle réussir son pari, maintenir à l'intérieur de ses frontières une cohérence politique et sociale tout en séduisant le reste du monde? Tenter d'y répondre, c'est s'intéresser à la diversité des démarches diplomatiques chinoises, à leur succès comme à leurs échecs, dans des régions où se joue son destin. Ces régions sont respectivement l'Europe, l'Union européenne, bien sûr, en tant que premier partenaire commercial de la Chine, mais aussi la Russie, avec laquelle Pékin a établi un partenariat stratégique, enfin le Moyen-Orient et l'Afrique, que la Chine, au même titre que les États-Unis, convoite l'un et l'autre. C'est enfin son environnement proche, que ce soit l'Asie du Nord-Est ou l'Asie du Sud-Est, que les États-Unis considèrent comme le pivot de leur propre déploiement stratégique. Nous vous invitons à découvrir l'ensemble de ces enjeux sous un angle qui relève à la fois de l'histoire politique, mais aussi de la culture de la Chine contemporaine. En un mot, ce que nous vous proposons, c'est d'entrer dans l'envers du décor.